Superstar de certaines nuits, le cauchemar était désemparé. Plus gauche qu'à droite, il faisait des cauchemars. Apeuré de ne plus faire peur, il était en proie au doute. Écoutons donc un extrait de la petite histoire de ce cauchemar. Le cauchemar. En somme, il somnolait dans les sommeils. Cela devenait inquiétant, voire effrayant. Inacceptable. Même pas en rêve. Sans tourment, ses peurs s'évaporaient. On lui entaillait des costards, flemmards, pantouflards. On l'avait même traité de tocard, de ringard. Voilà, c'est tout. Pour connaître la suite, soyez généreux.